C'est une très bonne question, Dikin. Écoute, je te propose de ne pas y répondre. Attends, de ne pas y répondre tout de suite. Voilà. Disons que ce sera le mystère de ton bouquin. Et là, c'est un enclos. C'est un magnifique enclos. Magnifique enclos avec des rotées, des profondeurs. Regardez, c'est des petits mammouths. Hein, dans notre univers, ce sont des petits mammouths. Mammouth. Est-ce que j'ai envie de les tuer? Oui, j'ai envie de les tuer. Oui, bien sûr, mais je ne le ferai pas. Du coup, y a plus rien. Et bah c'est parfait. Tout cela est parfait. C'est quoi si je referme la porte? Vas-y, juste pour m'amuser. Ouais, c'est pas ouf. Oui. Oh, toi, tu me parles pas. Tu me gueules pas, ok. Je t'ai sauvé. En trichant, mais je t'ai sauvé. Non, mais faut dire ce qu'il y a aussi. Après, c'est vous qui voyez, hein, je vous le dis. Moi, j'ai pris cette décision-là parce que, la difficulté hors norme que ce jeu a atteint mon envie. Par contre, je ne crache pas sur le jeu original qui est très bon, même si difficile certes, mais très bon. Undead Tide est un peu plus relevé et plus light. Alors plus light, non, pas vraiment. Mais voilà. Oui, c'est une porte. C'est un trou. Il fait nous. Dikin, tu veux me parler? Non? Non, parce qu'il y a un... D'accord. Dikin, voir beaucoup de dieux dans cette pièce. Ouais. Ouais, voir beaucoup de dieux et... Ah, oui. Ah, attendez, il y a un combat qui peut être intéressant là, je me débarrasse juste de cela. Et puis je m'occupe des spots. Attendez, parce qu'il y a... Gardons quand même un combat intéressant. Je dis un combat intéressant contre le Excusez-moi. Monsieur, vous êtes un petit peu énervant, monsieur. Voilà. Gardons un combat. Un combat, monsieur. Voilà. Gardons au moins un combat. Regardez. Dikin. Comment? Dégage. Ah bah il est mort. Il est mort dans son caca. Ah, parce que bon, je touche personne. Hein. Alors. Oh, une opale. Cool. Oh, une très belle image, hein, cependant. Je tiens à vous le faire remarquer. Excusez-moi, meurs. D'accord. Est-ce que le jeu va vite? Oui, il va vite, le jeu. Je ne vois pas le problème, moi. C'est vous qui voyez les choses partout. C'est quoi, ça? C'est... Non, mais Dikin, d'accord. Ah, non, d'accord. Non. Ah, bah d'accord. Peut-être. Dikin, bravo. Alors, un coffre. Trois coffres draw. Une énorme hache de guerre naine. Des trucs. Donc, des nains. Une cape que je vais prendre, des trucs à moi et des trucs que je peux pas faire. Et un collier, une amulette. Des trucs, des sorts et des trucs. Et ben voilà, et ben bon. La difficulté. Je rigole, la difficulté. LOL MDR. Ouais bon d'accord, j'exagère un petit peu. Mais... Écoutez, voilà, hein, comme diraient certains, il faut ce qu'il faut. Oui, je suis... Oh, un bloc de pierre. Ah non. Ok. Donc je suis là.
il y a un tonneau noir. On le voit ici. Il y a des torches. Il y a un trigger. Voilà. Oui. Moi non plus, je ne sais pas. Ce qui est... Erk. Ah, c'est pas beau. J'ai pas le temps. Bon. Non mais calme-toi. Ah. Je suis qui moi? Ah mais t'as. Je me suis tué lol. MDR. MDR, je me suis auto-tué. Avec ma... Ah là là. Bravo moi-même. Je me... Non mais je me... Je me saoule tout seul, je peux m'auto-tuer tout seul, écoutez. Tant mieux d'ailleurs si ça... Non mais... Très fort. Comme quoi il faut faire attention. Faites très attention les enfants. S'auto-tuer. C'est pas cool. Oui. Ah, bientôt. Allez, bientôt. Allez, bientôt. Parfait. Là, il y a une toile. Là, il n'y a rien, du coup, parce que il n'y a jamais rien eu ici. Rien du tout. Alors, quand même, prenons le temps. Prenons le temps, s'il vous plaît, d'admirer quand même ce magnifique cadavre de Tyrannoeil. Que je trouve plutôt beau. Voilà. C'était l'instant esthétique. Le jeu vidéolistique. Goûtez à ma colère! Ah. Là, cette ligne, elle sert pas à rien. Voilà, eh bien, je passe la ligne. Et pour le moment, il n'y a rien. Ah! Mais quoi? Mais vous êtes... Fantôme? Fantôme. Cruel, cruel, cruel destin. Destin cruel, 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 cruel. Du coup, je vais où? Du coup, je ne sais pas où. Tikin, tais-toi. On va aller par là. Et par là, il y a des araignées. Goûtez à ma colère. Et par là, bah, il y avait des araignées. Et puis voilà. Il n'y avait que des araignées. Pas de quoi s'affoler. Ah si, je... Je peux pas bouger par contre, hein, c'est un petit peu problématique. Hein. Mais j'ai les skis sont à revoir cependant. Hein, je ne vous le cache pas. C'est un petit peu embêtant. Alors échec du sort. Et ça aurait été bien si on pouvait avoir une explication, un détail du maléfice. De la carrière. Mais non, non, écoutez, on n'est pas payé pour ça. Là on a quoi? On a quoi? On a paf, une araignée, deux araignées, trois araignées. C'est bon? Ah j'ai vraiment un problème sur mes esquives, hein. Pas assez flex. Voilà, donc là maintenant ça va être... Eh ben zut alors. Je m'ai pris les pieds dans la toile d'araignée. Je peux pas bouger. MDR. Voilà. J'espère en tout cas que vous appréciez ce moment de jeu vidéalistique. Alors, oui, c'est bon. C'est bon, parfait. Un grand moment.
Je pense que là, tous les Fortnite, tous les Battle Royale, hein, n'ont rien à envier à ce jeu incroyable qui est Never Winter Night. On est quand même sur un jeu vraiment beau. On est vraiment sur un jeu optimisé aux petits oignons, j'ai envie de vous dire. Aucune galère, aucun problème, des contrôles incroyables, une histoire. Ah, excuse-moi. Voilà, t'es caché derrière la toile. LOL. Voilà, moi, cette animation de disparition, c'est vraiment magnifique. À l'aide, oui, à l'aide, mais à l'aide de quoi? Et oui, mais vous êtes des fantômes. Les mecs, je vous vois sortir là, par là. Je vous vois sortir de ce côté. Putain, vous êtes... Ah là là, il va falloir revoir hein, ça. Ce n'est pas possible, ça, monsieur. Là, je suis désolé. Toi, je t'ai vu. Je t'ai vu, je t'ai dit. Mais... Meurs. Toi, je t'ai vu de loin. Je t'ai tellement vu de loin. Toi, je t'ai vu. Non, 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 non. Non, mais dégage. Oublie. Oublie, Dikin. Non, mais... Eh, j'ai appuyé sur la lettre. Non mais des fois ça ne veut pas marcher. C'est pas un énorme problème, ça doit être le temps que le jeu charge, que hop là il est mort, hop là il est en vie. Alors je suis à combien? Je suis à 28 000, à 284 000 même, sur 300 000. Bon, dextérité, voilà. Ma dextérité est au plus bas. Mais moi j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qu'on en a à faire de cette dextérité qui est au plus bas. Hein? Voilà. Alors, on va continuer. Là, il y a un magnifique couloir. Très beau couloir, d'ailleurs. Avec... Non, mais non. Mais incroyable, il y a des araignées au coin des rues. Comment voulez-vous, après, qu'on s'en sorte? Ah, je vous le demande. Ah, ces araignées qui vous attrapent au coin des murs. Et qui vous oblige à leur donner vos jambes afin que vous les afin qu'ils puissent tisser leur toile. Ah, c'est vraiment de la racaille. Et d'après la solution, eh ben, on a bientôt terminé vu qu'il ne reste que cette zone. Cette zone qui aurait été rapide, oui. Mais bon, voilà. Oh, regardez-moi cette animation de toile qui disparaît. On n'a pas fait mieux depuis des dizaines d'années chez les gamers. Non. Non, 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 non. Dikin. Arrête. N'y pense même pas, Dikin. N'y pense même pas, Dikin. Petit piège. Petit crochetage. Petite porte. Qui me donne accès à un obélisque. Ouais. Ouais, alors. Bon bah, j'ai dû peut-être oublier un truc, mais bon, qu'est-ce qu'on a à faire, MDR. Oh, un gros caillou. Un gros caillou. C'est un obélisque, oui, mais c'est un gros caillou. Alors attendez, je sécurise la zone. Hein, qu'il n'y ait pas une saloperie qui me tombe sur la lugue. Ok. Donc, obélisque. Enfin, plaque rune. Ah merde. Oula. Oula. Alors. Oh, regardez ces détails incroyables. Je suis... sur le cul. Alors on va dire que là on va... Ça vient de me faire flipper ça. Perlipopette. Là on va mettre l'arc. Parce que... On va mettre l'autre alors. Voilà. Non mais non Dikin. Mais qu'est-ce toi Dikin. Voilà, on va mettre, on va dire la balance.
Ah, c'est génial par contre quand Dikin il se met pas là où je veux. Ah, c'est génial. Ah, c'est trop bien. C'est moi où je me trimballe des toiles d'araignée. Un jeu optimisé en 4K. Pour une meilleure expérience de gamer. Donc là, on va dire que ça va être l'arc. Voilà, là c'est l'arc. Là, j'avais dit que c'était la balance. Donc l'arc, la balance, le truc. Du coup, j'ai déjà programmé la balance. Du coup, ça va être le serpent. Enfin, l'espèce de serpent. Et ben voilà. Votre journée est meilleure. Vous sentez énergie magique. Ah bah oui, d'accord. Ok, donc. Kevin détient la vie neutralisée, lance obélisque, ce qui annulait toute forme de magie. Cool. Ok. Donc, je prends le caillou. Le gros caillou. Le cœur de l'obélisque. À moi. Et ben voilà. Eh ben j'ai le gros caillou. C'était une énigme incroyablement difficile, digne des vrais gamers. Bon par contre là ça pue complètement. Là ça pue, on est d'accord. Likin. Oh mon dieu. Oh, c'est belle. Une énorme connasse à 8 pattes. Alors attends parce que je sais. Voilà. Zbler, allez, meurs. Meurs. Mais paf. Incroyable combat qui s'engage entre l'homme et l'araignée. Incroyable combat. Vraiment magnifique. Alors qu'elle gardait un collier du poison. Oh, du poison. Ça, je la prends. Et ainsi qu'une émeraude qui se trouvait. Qui se trouvait là. Elle se trouvait là. Et voilà. Ah non, attendez, il y a du chemin derrière. Et ben, on va aller. Allez, parce que quand même. Hein, je ferai deux parties extrêmement longues, c'est pas grave. Sur cette session. Hein, parce qu'il y a du chemin encore. Regardez, il y a du chemin. Regardez, je vais aller ici. Ça va activer un ennemi. Non. Oh là là, mais quelle animation incroyable. Toi, je t'ai vu. Je vous jure que j'appuie sur ma touche Y là. J'appuie sur ma touche Y, mais c'est pas facile tous les jours. Est-ce que non? Non. Ah bah voilà. J'étais pas dans le bon angle, lol. Bon. S'il y a deux araignées, c'est pas super grave. Hein. Pour deux araignées, on va pas en faire tout à fond. Oh! Messieurs? J'ai peut-être raté du dialogue. Non. Si, j'ai peut-être raté un dialogue. Ah, mais c'est des remixes des musiques du jeu original, d'accord.
Même de la musique du menu. Ah, oui, parce que c'est aussi important de savoir les musiques utilisées, quelque part. Alors, il y a une il doit y avoir une histoire avec des fantômes. Mais alors, laquelle? Alors là, laquelle, je ne sais pas. J'ai dû zapper une histoire. En même temps, des fantômes qui veulent combattre des êtres solides. Hein. Dans le jargon, on appelle ça des êtres éthérés qui veulent combattre des corps vivants. Je suis pas certain. Bah, après, ça n'engage que moi. Mais je suis pas certain que ce soit le meilleur plan. Bah, par contre, la musique, elle est très bien. Mais elle colle pas à l'action. Tu vois, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo incroyable. Alors, parce qu'on m'a dit, attends, fais gaffe mec, il y a des... Il y a une connerie qui va se passer. Voilà. Paf, paf, paf. Paf, paf, paf. Tiens, vas-y, prends le tir en oeil. Prends celui-là, il t'a mal parlé. Prends celui-là, il t'a mal parlé. Paf, paf, paf. Il t'a mal parlé, défonce-lui son oeil. Allez, zbla, zbla. Il t'a mal parlé, tiens, par contre il est où? Ah oui, c'est vrai qu'ils sont chiants. Ouais, par contre c'est chiant quand tu fais ça, c'est la même strat que les araignées. Ah, il t'a mal parlé. Défonce-lui l'œil. Défonce-lui l'œil, putain. C'est moi ou je les touche pas? Bon, tu m'emmerdes, hein. Tu m'emmerdes, clairement. Tu m'emmerdes, clairement. Et ben du coup, on va partir à on va partir à droite parce que ça a l'air plus court. Voilà. Et puis on va se téléporter grâce au faucheur, sachant que je peux sans doute je pourrais. D'accord, là tu cries. Sachant que je suppose que je pouvais me téléporter dans le truc du faucheur et éviter ce combat. J'en suis même certain, dit comme ça. Même certain, certain. Voilà, voilà. Non, mais c'est tout ce que... Non, à gauche. Merci. À gauche, gauche. Allez. Allez, on va tout droit. Allez, on y va. Allez. On se fait pas prier. On y va, comme... On y va. Là on tourne et puis la caméra. Et la caméra, mais... Caméra, oui. Et puis voilà. Alors, j'ai toujours cette très belle toile d'araignée sur moi. Moi, j'avoue que c'est très stylé. À quoi ça me sert, par contre? Eh ben, rien. Alors, je sors juste de cette zone. Ensuite, je vais placer un petit point de téléportation qui me sera très utile. Et puis, on va se téléporter à la Valchares. Oui, à la Valchares, tout à fait. Voilà, là, je suis à l'ouest. Donc, j'utilise mon truc. Je voudrais... Excuse-moi, placer un lien ici. Genre, on va placer le deuxième. Donc là, voilà, j'ai placé mon lien. J'ai utilisé une pierre. Ensuite, on va se téléporter à la maison des portes. Voilà. Alors, le faucheur, il est là, il est beau, il est swag, swag, swag. Alors, la porte numéro 1, c'est... C'est Zorvakmur. Non. On peut voir quand même toutes les zones d'action, de trigger. La porte numéro 3, c'est...
Cœur de la ville. Oui. Et normalement, pas de cinématique. Et ben tant pis. Ah, bonjour sergent. Juste à temps, la prophétesse veut vous voir. Je vous conduis à elle de ce pas. Et bien allons-y. Et pendant ce temps, la cinématique. De vous revoir. Ah non. L'armée de la Valcharès est en mouvement. Il marche sur l'Itmiatar. Ah. Heureuse de vous l'entendre dire. Il est temps de résister. J'ai reçu une autre vision. Vous mènerez nos troupes contre la Valcharès. D'accord. Vous avez mérité cet honneur. Même la maison Maivir suivra vos ordres. Alors je crois que la maison Maivir, ça doit être le truc le plus, la maison la plus célèbre et la plus respectueuse, avec la plus grosse réputation de leur truc. Nous nous préparerons cette nuit. Au matin, l'ennemi. Ouais, à une seconde. Non, mais. Bendoui, créature de la surface, je vous sais. Savez-vous qui je suis? Une seconde, je crois que. Alors, je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain que cela était prévu. Je ne suis pas certain que cela était prévu. Je crois qu'il y a des trucs qui sont pas prévus en fait là. Parce que normalement il me reste une zone à aller voir. Ouais, je crois que le jeu a été bourré. Alors, jouons le jeu. Qu'est-ce que ça c'est? D'accord, vous devez être la Valcharès de la MDR. Alors, avez-vous un nom? Appelez-moi. Vas-y. Alors, vas-y. Allons vers vous. Faites vos preuves. Ok. Ensemble. Qu'en dites-vous, quel mec? Plaisanterie, le MDR. Alors. Non. En ce cas, je n'y vois à moi. Oui, oui. Ainsi, vous avez pris votre décision. C'est la pure folie. Oui, bien sûr. Mourrez avec les rebelles. Je vous verrai à genoux devant moi. Puis, vous découvrirez le sens du mot souffrance. Moi, je veux surtout que. Bah. Je vois surtout que t'es pas super bien. Arrête de gigoter. Oui, bonjour. Allô? Ok, ici le commandant Imlos. J'ai envoyé ce feu follet pour me servir d'yeux et d'oreilles dans la bataille et pour communiquer avec vous. Ok, oui, bonjour. À mesure que la bataille progressera, je vous rapporterai tout ce qui a lieu sur le champ de bataille et dont vous devez être au courant pour commander les troupes à votre guise. Ok. Stop. Alors. Je suppose même, et je vais actuellement vérifier ça, mais je crois que le jeu a pété un câble. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Le jeu vient de me ébourrer en fait. Parce que je vous explique en gros, ça c'est la quête, sauf que ça techniquement, on l'a fait, donc ça oui. Alors ça par contre, je pense que le jeu est bourré parce que je n'ai pas rempli cette quête du tout. Il m'a directement projeté à la bataille finale. Enfin, la fin de ce chapitre. Le jeu vient de
prouver qu'il est totalement bourré là actuellement. Donc du coup, ces quêtes-là, on s'en fout. Donc là, techniquement, c'est foutu. Donc a priori, là, je pourrais enregistrer quasiment tout de suite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser ça et je vais laisser ici. Je vais sauvegarder, je vais juste vérifier quand même un truc. Voilà, je vais sauvegarder ici. Je vérifie celle-là, voilà. Pour vérifier un truc, sauvegarder. Non, je suis toujours chapitre 2, d'accord, mais ne tenez pas compte. Alors, ne tenez pas compte de celle-là aussi. Donc, je vous laisse sur cette image, hein, pour, en pause. Merci d'avoir suivi cette session jusqu'au bout, en espérant que ça vous ait plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un pouce bleu, à commenter la vidéo sur mes méthodes incroyables de jeu, à vous abonner à la chaîne pour la suite qui arrive rapidement au point où je suis. Et... voilà, merci de suivre quand même, malgré les milliards de conneries que je fais sur ce jeu et sur les raccourcis que je prends. La fin arrivera très très bientôt, je pense, voire même tout de suite. Des bisous, merci à tous, bon jeu, et à la prochaine pour la suite de Neverwinter Nights, Horde of the Underdark.